Remember back in the days when niggas had waves. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Et ça va être une vidéo sur un français, donc un YouTuber français apparemment. La vidéo s'appelle « Comment avoir les waves 360 en peu de temps ?» Point avec Jas, il n'y a pas deux. Donc, je ne sais pas ce que c'est Jas, je ne sais pas si c'est un produit, je ne sais pas si ça se dit Jas. Bref, dites-le moi en commentaire si vous connaissez ce Jas ou si c'est une personne même, je ne sais pas du tout. Bref, en tout cas, voilà, nouvelle vidéo les gars. On se retrouve tout de suite, la vidéo ne dure pas très longtemps, elle dure 2 minutes 18. On se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Tu ne connais pas Boy Jimmy ? Yo, salut YouTube, c'est ton Boy Jimmy. Check, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, yo. Tu sais comment ça se passe quand je mets le casque, on commence directement après. Let's go. Alors, ok, donc Jas, c'est un produit apparemment. C'est juste maintenant, il a mon rôle, Jas, il utilise tout mon rôle. Mais il parle en quelle langue, c'est pas en français? Ok, donc apparemment c'est pas en français, bon je vais essayer de suivre quand même. Ok, donc il utilise une brosse en plastique, ça c'est bon, il faut faire le Washington style. Dites-moi si vous comprenez la langue, pour le coup je ne sais pas du tout les gars. Donc, d'ailleurs je vais baisser le son parce que si c'est pas en français, c'est pas spécialement bon pour moi. Parce que je comprends pas. Ok, donc là il brosse, bon, c'est la technique du Washington style, hein. Vous connaissez le concept les gars, Washington style, voilà. Ok, donc il brosse, malheureusement il brosse pas devant un miroir. Ça je vous l'ai déjà dit les gars, c'est vraiment très important. Après, j'ai l'impression qu'il a déjà des waves de base, hein, parce que ses cheveux sont déjà disciplinés, tu vois ce que je veux dire? Dites-moi quelle langue c'est d'ailleurs, si vous connaissez les gars. Ok. Donc après, ouais, c'est un style classique, hein. C'est dommage que je comprenne pas, je ne sais pas quelle langue c'est. Tu vois, le problème de brosser comme ça sans regarder devant un miroir, c'est que tu peux créer des fourches et créer des angles qui ne sont pas les tiens de base, tu vois. Qui ne sont pas ceux que tu avais prévus. Donc après, lui, il met une wave cap. Ok. Donc après, normalement, dans le concept, dans le principe, il rince avec. Hein. Ok, 45 heures, je sais pas ce que c'est. C'est compliqué de pouvoir décrypter une vidéo si tu comprends pas la langue. Ok, donc à mon avis, il a rincé, je sais pas. En plus, on dirait pas qu'il a des mauvaises waves, hein, regarde. Ça va encore, hein. Ça va, mais tu vois, les angles, là, c'est pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'il brosse pas devant le miroir, ça se voit. Tu vois, ça part un petit peu en biais, après ça part droit, enfin bref. En tout cas, bon les gars, pensez que ça va être une vidéo un peu plus intéressante. Peut-être qu'il a dit des choses intéressantes, hein. Je vous avoue que comme je ne connais pas la langue, peut-être que c'était un peu plus intéressant que ce que je pense. Mais dans la pratique en soi, comme vous le savez, le Washington style, c'est pas une fin pour avoir des waves. Ce n'est pas la technique ultime pour avoir des waves. Maintenant, ça peut aider, d'accord, comme on le sait, à discipliner les cheveux. Après, pour la technique, comme j'ai dit, ne brosse pas devant un miroir. Je ne sais pas ce que c'est, Jas ou Jas, je ne sais pas, je pense que c'est un produit. Au niveau des angles, bah, comme il n'utilise pas de miroir, ses angles ne sont pas de bonne qualité, si on pourrait dire. Ce n'est pas dans les bons angles qu'il doit brosser, je pense. Parce que tu vois que ça part un peu en biais, ça part droit, ça part en biais. Enfin, ce n'est pas quelque chose de vraiment bien structuré, bien clean, bien crispy. Et surtout que ça a créé des fourches, tu vois ce que je veux dire. Après, je ne sais pas s'il a nettoyé, enfin s'il a rincé plutôt avec la wave cap ou pas, je ne sais pas combien de temps il l'a laissé sécher, je ne sais pas s'il a mis du produit derrière, enfin bref on ne sait pas trop, mais voilà, en tout cas dites-moi les gars si vous connaissez donc ce youtubeur là, si vous connaissez bien sûr la langue qu'il utilisait, et voilà, dites-moi en commentaire les gars si vous avez aimé cette vidéo. Bon, ce n'est pas une vidéo incroyable, ce n'était pas une vidéo très longue, mais comme vous le savez, plus je vous ferai des vidéos, plus ça va vous motiver à faire des waves. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde comme tu le sais. Petit pouce bleu pour le soutien. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau et surtout, active la cloche des notifications pour en ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.